Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, il y a du nouveau dans votre émission Naneya. Nous avons un cadeau pour la personne qui va mieux répondre à la question d'aujourd'hui. Et c'est vous, chers abonnés, qui allez choisir le gagnant. Le cadeau vient du prêt-à-porter Sumbil Design, situé à Zongo, avant la pharmacie Zongo, en venant de Ndali. La question du jour est, comment savez-vous que votre partenaire est satisfait ou satisfaite au lit? Et c'est parti! Ma question d'aujourd'hui est simple. Et si vous répondez bien, c'est possible que vous soyez la gagnante de mon cadeau d'aujourd'hui qui vient du prêt-à-porter Sumbil Design situé à Zongo. D'accord? Ok. Naneya, dites-moi, quand vous faites l'amour avec tonton, comment savez-vous qu'il est satisfait? Je sais qu'il est satisfait lorsqu'il dit « Tu as assuré ce soir, chérie. » Donc là, je sais que j'ai vraiment assuré. Et lorsqu'il respire, je sais là, il a joui. Donc en ce temps, je sais que bon, le travail a été fait. Donc vous assurez? Oui, j'assure, j'ai intérêt à assurer. Ah, vraiment, hein? Le perdre quoi, vous comprenez non? Je comprends. Ma question d'aujourd'hui, elle est simple. Okay. D'accord? Oui. Et si vous répondez bien, oui, c'est possible que vous soyez le gagnant de mon cadeau d'aujourd'hui, okay, qui vient du prêt-à-porter Sumbil Design, situé à Zongo. T'as pu y aller? Oui. D'accord. Naneya, dites-moi, comment savez-vous que madame est satisfaite quand vous faites l'amour avec elle? Kébé! Non, Nala quoi. Elle est fraîche, elle devient fraîche et puis tu sens qu'elle est enjaillée. On dirait celle qui a gagné au gros lot quoi. Vous comprenez non? Et le lendemain déjà à 6h du matin, tout est déjà prêt à la maison. Ouais. Comme quoi? Elle se réveille à 4h, elle fait la vaisselle, elle lave les habits, tout et tout. Elle arrange et puis toi-même tu te réveilles, tu sens que oui. Tu te réveilles, tout est déjà prêt, même le petit déjeuner est déjà prêt. Et puis elle est fraîche. Ah oui. Ma question d'aujourd'hui est simple. Et si vous répondez bien, il se pourrait que vous soyez la gagnante de mon cadeau d'aujourd'hui. Le cadeau vient du prêt-à-porter Sumbil Design. D'accord? On peut y aller? Naneya, dites-moi, comment savez-vous que tonton est satisfait quand vous finissez de faire l'amour? C'est même pendant qu'on fait l'amour qu'on s'en sort le plus. Mais quand il a fini, on lui une lueur sur son visage qui permet de savoir qu'il est satisfait. Et pendant que vous avez tantôt fait l'amour là, il fait comment et vous savez que ça là c'est bon? On ne sait pas, c'est manière quoi. Pas il te sait façon, il te prend bien quoi. Et toi, tu es contente. Alors, ma question d'aujourd'hui est simple. Et si vous répondez bien, c'est possible que vous soyez le gagnant, d'accord, d'un joli cadeau qui vient du prêt-à-porter Sumbil Design situé à Zongo. D'accord? On peut y aller? D'accord. Naneya, dites-moi, comment savez-vous que madame est satisfaite quand vous faites l'amour? Ah bon, quand elle est satisfaite, son visage aussi le montre déjà, elle est contente, tout se passe bien, elle rit bien. Elle ne se fâche pas, même si tu la gifles en même temps, là, elle supporte. Donc, son visage est comment quand vous finissez? Elle devait être très belle en même temps. Et puis, quand tout ce que tu dis arrive seulement, elle ne s'énerve plus. En même temps, le jour que bon, ça se passe mal, tu vois que un peu le jour, elle est énervée, elle est triste. Donc, vous avez intérêt à assurer? Donc, c'est pourquoi je fais tout mon possible, parce que j'aime l'ambiance là. Donc, j'assure bien. Naneya, dites-moi, comment savez-vous que votre femme est satisfaite après avoir fait l'amour avec elle? En fait, après tous les rapports sexuels, moi je demande toujours à mon conjointe si elle est satisfaite. Et si elle est satisfaite, quand tu vois ses sourires, elle est contente, elle te fait encore bouger. Elle fait beaucoup de bijoux et même si tu la touches, ses sourires ne finissent pas, ça ne termine pas. Donc le joueur ne sourit pas, c'est que ce n'est pas bon? Là, je constate que ce n'est pas bon et je reprends. Vous reprenez? Je reprends. C'est ma femme, elle doit être satisfaite et forcée avant que je la quitte. Eh bien voilà, vous avez suivi nos camarades. Selon vous, laquelle des réponses est la plus drôle? Nous avons 5 intervenants. Le premier représente le numéro 1 et ainsi de suite. Il vous suffit, chers abonnés, de laisser en commentaire le numéro de la personne que vous pensez avoir bien répondu à la question du jour.
N'oubliez pas aussi de laisser en commentaire votre avis sur la question. Abonnez-vous, likez, partagez et cliquez surtout sur la cloche de notification pour désormais recevoir nos vidéos. Merci de nous préférer et à bientôt.